Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Nous sommes le mercredi 8 novembre, il est 22h, très exactement. Et nous allons continuer l'aventure F1 Manager 2023. Alors là, je suis en train de me rendre compte que ça n'a pas sauvegardé la dernière fois. Dernière sauvegarde à 23h04. Oh, c'est nul. Ouais, on en était là, hein. Ok. 23h04, étrange. Pas une heure à laquelle on a terminé. Mais on allait en Australie, c'est sûr. Donc j'imagine que... Ah, c'est bien ce que je pensais. Ok, c'est pas grave. On avait fait avec Vandals le développement d'un aileron arrière. Je me rappelle plus les données qu'on avait mis par contre. Et ça fait 22, 23 quoi. On va mettre 23. Je me rappelle plus des données qu'on avait mis avec Vandals. Mais ils ok. Et on avait dit... Pour Barcelona. Et on va prendre comme référence la voiture 2, la voiture de Pierre Gasly. Et on est sur un aileron arrière. Je me rappelle plus ce qu'on avait mis. C'est clairement pas un truc comme ça. Est-ce que je peux regarder vite fait? Est-ce que j'ai... Voilà, regarder vite fait. Regardez vite fait. Je peux pas l'avoir? Okay. La toute fin, aileron arrière. Si ça ressemble, hein. Ça ressemble à ça, hein.
Ça ressemble à ça, à part la sensibilité là qu'on avait descendu. On peut tenter ça, mais c'est pas du tout les mêmes données, mais... Ok, on va partir là-dessus, hein. Avec un ingénieur. Ok, et on part là-dessus. On avait fait une suspension aussi. Pareil, je vais regarder pour les suspensions ce qu'on avait donné. Du moins un ordre d'idée. On avait maximisé la vitesse moyenne. Ah. On avait maximisé la vitesse moyenne. Okay, on va partir là-dessus. On gagne pas des masses, mais bon. Ok. Tandis que... C'est toujours en cours, et ben on va pouvoir continuer, hein. Tension entre les ingénieurs et les pilotes. Remarquez des tensions entre Pierre Gasly et son ingénieur de course, Ben Michel. Je ne sais pas vraiment ce qui se passe. Ça pourrait avoir un impact sur le moral du pilote et ses performances. Tout le présent email. Vous avez sûrement prévu de leur parler. Gna gna gna. On va intervenir quand même. On verra la réponse. Conception finalisée pour le fond plat.
8 jours avant la course, ouais. Donc on l'aura pas en Australie. Si on faisait un flanc. Non, on a dit aileron avant. Ouais, on va peut-être peut-être se focaliser sur l'aileron avant quand même. De toute façon, là en plus, j'ai même pas de soufflerie à lui proposer. Tenter un truc, hein, mais sans soufflerie. Un million, on peut tenter un truc pour un million. Ok. Aileron avant terminé. Ça arrive dans 3 jours. Après l'Australie. Alors, objectif de performance, on va atteindre les Q3 en toute logique. Arrivé 10e, j'y crois. On l'a déjà, ok. Comparons au championnat. Championnat, il y a Aston devant nous, Mercedes aussi. Si on se compare avec Aston. Avec Mercedes, on est moins bon sur la vitesse max, on est meilleur en accélération, on est meilleur en DRS, on est clairement à la traîne sur tout ce qui est vitesse. Ouais, on est dans la merde. Et par rapport à Aston est largement au-dessus aussi. Ok, bon, ça va être compliqué. C'est un plaisir de vous retrouver ici pour ce Grand Prix d'Australie. Plusieurs circuits urbains figurent au calendrier de la F1, mais ce tracé unique au bord d'un lac ne ressemble à aucun autre. Des sections à grande vitesse serpentent au cœur de l'Albert Park, à quelques centaines de mètres seulement de la plage de Saint-Kilda. Le circuit d'Albert Park est facile à mémoriser, mais il est aussi très facile d'y commettre une erreur dans ses sections entourées de murs et ses bacs à gravier. Ce circuit urbain à haute déportance est très exigeant, autant pour les pneus que pour les freins. Max Verstappen s'est envolé vers la victoire lors de la dernière manche. Comme d'hab. Il a prouvé qu'il peut être absolument inarrêtable quand il est en pleine forme. Allez, c'est bien. Essai libre 1, essai libre 2, essai libre 3, Q1, Q2, Q3 et des courses. Alors,
Cherchons un truc un petit peu original. On va se concentrer sur sur virage, on verra après. Sur cette voiture là. On va partir comme ça pour commencer. Et on va les faire rouler. Il y a des chances qu'on se prenne une grosse claque. Hein. Australie, c'est pas vraiment un grand prix. Correspond à la voiture. Oh, sur virage au top. Hein. Ça me plaît moyen ce que j'ai fait là. On va tester ça. Bonsoir Trapil. Les réglages sont à chier. Pas si mal ça pour essayer. On va renvoyer Esteban. Tandis qu'on reconfigure Gasly. Il reste 35 minutes. On renvoie. Aucune amélioration hein, sur la voiture sur ce Grand Prix. Ok, petite sortie de piste d'Esteban. C'est ok. Il a pas tapé donc.
Faites des retours les gars là. Sur 5, 3 sur 5. Alors, qu'est-ce que ça donne? On est plus bon sur le survirage. Oh le réglage chiant. Oh le réglage chiant qui va me faire craquer. Oh, on le sent venir le réglage chiant. Revenons à la configuration de base. Là il y a un problème de traction. Là, il y a un problème de survirage. Ça, c'est pas si mal. Du moins, on pourrait essayer. J'y crois pas du tout. Pierre Gasly, j'arrive pas à me faire un retour correct. Hein. C'est même un truc de fou. Hein. On va tester ça. Pareil, j'y crois pas, mais bon. Même pas dit qu'on ait le temps de le relancer d'ailleurs. Ah oui, t'en fous de la température des pneus, il reste 10 minutes. On roule. Roule et fait des retours. On n'est pas là pour faire un temps. Ok, fin de session. Fin de séance d'essai libre 1. Je pense qu'on a un peu avancé quand même sur la configuration de la voiture. Et 13 et 16 en pneus durs. Hein. On va rester là-dessus. Et là, ça va pas du tout. Alors, la ligne droite, c'est catastrophique. Je peux déjà essayer comme ça. Allez rouler, les gars. Mais Ocon, il avait quasiment fini son retour. Hein. Box, 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 box.
Les lignes droites, c'est mauvais. Ligne droite, c'est mauvais. Ah, réglage de merde. Pas dingue non plus. La ligne droite, là, on n'est pas bon. Ça, c'est pas si mal. C'est pas si mal, on peut essayer ça. On dit que Pierre Gasly fait la P1 pour le moment. Non, pas sûr que non. Oh, c'est fou comment on redescend instant du classement. On est devant Alonso. T'as pas tout fait, mon mignon. Hein. Pas mal, mais t'as pas tout fait, hein. On est devant les deux Aston là ? En essai libre 2 ? Dans le monde idéal, ça serait de se battre avec Mercedes, hein ? Larguer les Aston ? Larguer les Aston et se battre avec Mercedes, hein ? Ah, là ça commence à ressembler à quelque chose. Commence à ressembler à quelque chose. La stabilité au freinage va me faire chier. C'est difficile, hein. C'est difficile de trouver mieux. Revenons à la configuration de base. Je peux tester un truc comme ça. Juste en réglant l'ouverture de l'aileron. Ils sont en quoi les Aston? Ils sont passés devant Ocon déjà. Elles sont repassées devant Ocon. Et on rappelle, Ocon a la moins bonne voiture des deux. Gasly a toujours pas fini son... Ouh. Ouh. Oh, le virage là. Oh, le virage qui fait mal.
Le virage qui va être chiant à aller chercher. On s'y approche, on s'y approche. Non, ça c'est de la merde. Je perds en stabilité et freinage. En traction. Ah, le virage va me. Le virage va être chiant à aller chercher. Oh, on est pas mal là. Je pense qu'on touche quasiment toutes les zones. Là, on est pas mal. Il reste 17 minutes. On va reconfigurer, on va partir comme ça. On dit que Ocon, c'est bientôt fini. Direction le garage. Ça baisse un peu. Ça baisse un peu. On était à 89. On est passé à 83. On va peut-être rester sur 89. Hein. On va peut-être pas aller tenter le diable. Hein. Vroom vroom vroom. Elle est cool cette emote. Ça vient d'où ça? Ah, ça vient de chez Mythos. Elle est cool celle-là. C'est pas mal ça, à part que j'ai pas le temps quoi. J'ai pas le temps de quoi que ce soit hein. 4 minutes 24 de config, 4 minutes 53 de séance. On va reconfigurer pour les séances, pour la séance d'essai libre 3. Hein. On s'en fout des pneus, roule. Emote the long drive. Ah. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On fait P10 et P15 sur cette séance. Je pense que la Q3 est jouable. Si on fait une bonne qualif, la Q3 est jouable. Après, est-ce que c'est vraiment utile d'aller en Q3? Si, pour le sponsor. Pour la moula, quoi. On va rester là-dessus. Et... on va peut-être rester là-dessus aussi parce qu'il a pas fait son retour entier.
Green light. Gasly, il a bientôt fini son retour. Hein. Il est à 3 sur 5, donc en vrai, il va pit très rapidement. Et je pense pas qu'on puisse aller tirer mieux que ce qu'on a comme config là à l'heure actuelle. Jolie voiture de course, ça tombe bien, c'en est une. Ouais. 92% de satisfaction. On est pas mal là. Hein. On est vraiment pas mal. On va le faire rouler bêtement. On va le faire rouler 30 tours. Peut-être le faire rouler en rouge d'ailleurs. On va le faire rouler en jaune. On fera un stint en rouge. Juste histoire d'avoir un minimum de temps. Là, on va apprendre le circuit. Bon, Esteban. Esteban, un petit retour, hein? Non? 4 sur 5 toujours. On est à 86, on était à 89 toujours. N'arrive pas à trouver. On va rester sur 89. 89 c'est... Change l'angle de l'aileron, c'est la merde. Si je change ça, c'est la merde aussi. Peut-être jouer avec l'ouverture. Peut-être jouer avec l'ouverture. Hein. On peut se mettre comme ça. Sachant qu'on était à 86, on va tester. On va tester un truc comme ça. Et après, on va le faire rouler pour qu'il apprenne le circuit. J'ai l'œil qui me pique. Bon, Gasly fait pas de temps, mais en même temps, il est blindé d'essence. C'est compréhensible. On est là pour apprendre le circuit. Sachant que sa configuration est à 92%. On va peut-être pas aller chercher plus haut. Hein. Et Ocon qui s'en sort bizarrement pas si mal que ça. C'est qu'une séance d'essai libre 3, hein. Ça ne veut rien dire. Drapeau jaune pour Piastri. Mini drapeau jaune. Bon, qu'est-ce que ça donne ça? 91%, on gratte 2%. C'est régu. On peut peut-être aller jouer par là. J'aimerais bien leur faire faire un tour quand même, hein, à un moment. Mais bon, si je baisse là, ça va me faire réduire ma zone de... ma plage de configuration optimale. Donc,
On peut peut-être faire un truc comme ça. Hein. Il sera beaucoup rentré, Esteban. Hein. Il reste 8 minutes à partir pour 5 tours. On va partir sur 5 tours. On va voir comment Gasly s'en sort. Sachant qu'il a, il a le champ libre en plus. Voilà, il fait un P9. Ocon, on va le laisser tourner. Terminé pour Pierre. Pierre, tu peux aller prendre une bouteille d'eau. Bouteille d'eau BWT, bien sûr. Et Ocon va finir son tour. P6 et P13. P6, je m'y attendais pas. Très honnêtement. Après, est-ce qu'on a roulé très, très faible carbu? Peut-être aussi. Hein. Préparation de pilote 95%. Un peu déçu pour Esteban. Et nous allons attaquer les Bienvenue à toutes et à tous qualifs. Pour ces qualifications, croyez-moi, ça s'annonce grandiose. Le tracé du circuit de l'Albert Park est bien plus rapide que par le passé. Les écuries vont devoir se concentrer sur les virages à moyenne et grande vitesse pour décrocher un bon temps lors de ces qualifications. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner votre avis sur l'état d'esprit de Zhou Guanyu avant cette séance de qualif? C'est intéressant car ses essais n'étaient pas si rapides. Je ne sais pas s'il s'agit d'un manque de rythme ou si l'équipe a simplement essayé quelque chose de différent, mais j'imagine qu'on verra bientôt ses véritables performances. Il n'y a pas grand-chose à ajouter, alors allons-y sans plus tarder. Allons-y. Allons-y, Q1, Q2, Q3, c'est un week-end classique. Pourquoi configuration? Ah mais parce qu'on l'a pas testé. J'ai pas envie de changer grand chose. Hein. Bon, on va rester là-dessus. Hein. Et 92%. En vrai, on est pas mal. Hein. C'est parti pour les qualifs. Objectif au moins 1 en Q3. Est-ce qu'il y a de la pluie prévue? Pas de pluie prévue. On va peut-être anticiper un drapeau rouge avec Ocon. On va faire partir Esteban. C'est la moins bonne voiture des deux, hein, encore une fois. Cette caméra est folle. Hein.
On va arriver dans le trafic, hein, je pense. On accélère un petit peu. Et je pense qu'on va arriver pile dans le trafic. Hein. Troll qui sort. Ah non, ça va. Ah, en vrai, ça va avec Ocon. Hein. Bon, Stroll qui va potentiellement nous faire chier. Nous a pas fait chier longtemps. On marque en 1.19.130. Je pense que ça peut être un peu loin. Faudrait trouver un créneau pour faire sortir Pierre aussi. Alors maintenant. Là, on devrait être pas mal. Ah, Albon qui sort à ce moment-là. Il nous a gêné. Clairement, il nous a gêné. Ouais. P10, c'est vraiment pas fou. Hein. Albon nous a gêné. On va repartir avec les mêmes pneus. Bottas, il est en tour lancé. Verstappen aussi. Et je me fais sortir avec Gasly pour le moment. Ce qui n'était pas prévu. Hein. Ça va pas suffire. Ouais. Ok, un tour pour rien. Faut qu'il rentre vite là. Je vais pas avoir le temps. Ah non, mais je vais me faire sortir là-dessus. Mauvaise gestion. Oh. Ça dégoûte. Ah, Gasly 17, c'est... C'est vraiment la contre-perf. Hein. C'est pas lui de passer en Q2 normalement. C'était à lui de passer en Q2. Et pas au con. Hein. À P17, c'est sûr.
C'est dur, c'est dur, c'est dur. Bon, bah tout repose sur Ocon, hein. Avec la voiture la moins performante des deux. P10 me suffirait, hein. Verstappen derrière nous. J'ai été gêné. Sorti juste au nez de Sergeant. P8, ça suffira pas. Ça m'étonnerait que ça suffise. Il y a Hülkenberg derrière, en tour lancé. Et notre sort est scellé. Ok, on passe en Q3. On passe en Q3 avec Esteban Ocon. Va faire plaisir aux sponsors. Par contre, après, en Q3, j'ai même envie de simuler la séance. Hein. Tellement je sais qu'il va terminer P10. P8. C'était mauvaise langue. On est devant une Mercedes. Et devant une Mercedes, et en vrai, Hamilton, il est pas si loin que ça. Le jour de la course est enfin arrivé et l'heure est au dernier préparatif. Albert Park semble souvent favoriser les duels entre coéquipiers. De Hill et Villeneuve qui s'affrontent pour la gagne en 1996, à la victoire de Bottas sur son coéquipier chez Mercedes, Lewis Hamilton, parti en pôle en 2019. Et le temps aujourd'hui est ensoleillé, ce sont des conditions idéales pour que les pilotes puissent s'exprimer. Des choix passionnants vont s'offrir aux écuries et à leurs pilotes ici à Melbourne. On est impatients de découvrir tout ça. Qu'est-ce qu'on va faire de notre bon vieux Pierre Gasly? Alors... deux arrêts. Si je pars en rouge, médium. Va falloir y tenir les pneus, quoi. On peut peut-être tenter un truc comme ça, mais chaud, hein, de faire 25 tours avec les softs. Et avec Pierre Gasly, j'en ai aucune idée. Hein.
tenter une stratégie un petit peu plus agressive. Les 25 tours avec les softs, c'est chaud. Sceptique. Comme la fosse. J'ai un chat qui gratte à la fenêtre. Vingt-cinq tours en soft, ça m'étonnerait que ça passe. Bien, ils estiment entre 20 et 31. Ouais, donc 25 ça passe, mais. Vingt-cinq tours en soft, ouais, ça va être couillu, mais bon. On peut tenter. Et il me semble que le public de Melbourne est plus que prêt pour les 58 tours qui attendent les pilotes autour de l'Albert Park. C'est l'occasion aujourd'hui pour Nico Hülkenberg de faire taire ses détracteurs. Avec ce départ dans les points, il va falloir défendre sa position et chercher. Vas-y, vas-y. Prêt pour le Grand Prix d'Australie. Les feux s'éteignent et voilà, c'est parti. Un peu rouge. Non mais sérieux. Non mais sérieux. Oh là là. Ok. Allez, on adore. On adore. Et paf, ouais. Paf, paf, paf. En espérant qu'il y ait des pénalités de temps là-dessus. Hein. Ah, on dirait qu'il y a eu un incident avec Lance Stroll. Oh, ouais, oui, d'accord. Alors, cette fois, c'est Lance Stroll. Les voitures se disputent la place. Et oh, c'était clairement pas intentionnel, mais il y a bien eu un contact là. Et on imagine bien que les commissaires de course vont re-regarder ce qui s'est passé. Et dans ce genre de situation, ça dégoûte, ça. On peut pas faire grand chose. Je crois bien que c'est Lewis Hamilton qui est impliqué. Bon, bah on va partir en fond de grille, hein. I think it's only the front wheel that got hit. Save you. Pas de pénalité, t'es sérieux? Non mais sérieux.
Il n'y a aucune pénalité de sortie là. Alors ouais, c'est le premier tour, mais quand même. Ah, la P10 va être loin. Hein. Bon, bon, bon. Voilà, voilà, voilà. On est content. Ouais, en plus, même le châssis, il a pris, donc. Eh ben, on va éviter on va essayer de réduire la casse. Qui prend 5 secondes, mais bon. Et ben, bon week-end de merde, hein. Même le châssis a pris pour Esteban. Strat Express? Ah bah là... Comment ça se fait que le son est aussi fort? Ah, c'est parce que je suis en foin. Réduisons un petit peu le son du moteur. Ah là, le crash Stroll Hamilton. Tutti quanti m'a fait mal pour le pauvre Esteban Ocon. Qui avait fait de meilleurs qualifs que Gasly en plus. On va essayer de limiter la casse. Gomme actuelle du plateau. Ça pue, ouah, ouah. Rien n'est joué. Rien n'est joué. On n'est pas à l'abri d'un drapeau rouge, d'une safety car.
Et oui, ça pue. C'est même vachement plus facile de faire top 10 quand t'es déjà dans le top 10 de base. Là, je suis coincé derrière De Vries, ça m'emmerde. Il n'y a pas grand chose à faire, hein. Hamilton qui s'arrête maintenant. Il aussi avait des dégâts. Bon, l'avantage c'est que... Bon, l'avantage, si on peut appeler ça un avantage, c'est qu'il y a quand même une Mercedes qui était sur le carreau, comme moi. C'est que la deuxième elle est très loin devant. S'il ressort en hard, imite-le. Mais moi j'ai déjà box. Bon, elle commence à nous casser les couilles cette Alpha Tauri là. Il est ressorti comment? Il est ressorti en soft. Hein. J'irai pas au bout avec les médiums, c'est sûr. Et avec les hard, si avec les hard à la limite, là maintenant oui, je pourrais peut-être aller au bout, mais... je vais me reprendre encore 30 secondes dans la gueule, quoi. Ah bah putain! Et Gasly qui passe De Vries, enfin quoi. T'as vu pourquoi ton carburant bouge de rien alors que moi il monte trop vite? Alors là, je peux pas te dire. Je suis pas expert du jeu non plus, hein. J'en sais rien. Le jeu est tellement complexe que j'ai pas envie de te dire une connerie. La configuration de ta voiture, peut-être, je sais pas. Le fait de trop attaquer.
Oh, j'en ai aucune idée. Bon, après une AlphaTauri qui nous emmerde, ce serait pas une Williams? C'est encore une AlphaTauri d'ailleurs. C'est l'AlphaTauri qui fait chier la Williams, qui nous fait chier aussi. Russell qui rentre. Il rentre pour mettre quoi? Pour mettre des médiums. Il a fait un soft médium. You Russell. Soft médium. Soft médium et médium, il termine pas là. Hein. Un chat qui miaule, non? Un chat qui miaule. Bon. Je vais pas en pause. Faut pas qu'il se passe de dinguerie. Bon. C'est pas passé des dingueries, là. Il finit pas, donc potentiellement si moi je boxe en hard prochainement, et je vais être trop long en hard, j'ai peur de me traîner le cul en hard et que en fait l'arrêt que tu gagnes en mettant hard je le perds dans le temps autour quoi. Bon, la Williams m'emmerde aussi. Hein. Personne n'a mis des hards pour le moment. J'ai peur que en hard on soit vraiment à la traîne pour le coup. Voilà, là William c'est fait. Alonso qui boxe. Au pire, box Ocon en hard, voir ce que ça donne. C'est vrai que Ocon, en vrai, Ocon, on peut le faire box, de toute façon, sa course, elle est foutue, donc. Parce qu'en hard, je termine, là. Je pense qu'en hard, je termine. De toute façon, sa course, elle est morte à Ocon. Et merci pour le follow, Serre le Gamer 971. Merci beaucoup. Bienvenue. Tu as des astuces sur le jeu, je suis preneur. Évite de mettre des hards en Australie. Ah, bah c'est exactement ce qu'on a fait. Dommage, j'avais pas vu ton message. J'ai peur qu'on soit long, ouais.
Ouais, en plus, on les tient pas juste. Non, attends. On les tient jusqu'au bout. Vient de débuter le jeu? Ouais. En gros, ouais. J'ai peur qu'on soit... On soit à la traîne, mais... Mais peut-être, hein. Pourquoi éviter les hards en Australie? Pour quelle raison? Bon, maintenant c'est trop tard, mais... C'est un circuit rapide. Ça se tient. La piste bouffe pas trop les gommes, mais là tu vas gagner un pit sur le midfield. Ah, c'est ce que je me dis. La question c'est, est-ce que le pit qu'on gagne, on le perd pas autant autour avec les hards? Ça va être la surprise. Et oui, c'est sûr qu'on gagne un pit. Étant donné qu'on a déjà perdu un pit déjà de base. Difficulté standard, évolution standard, tout est en standard. J'avais essayé hors stream en débutant, mais bon, si c'est pour faire P10, si c'est pour rentrer dans le top 10, voire top 5 à chaque course avec la pire voiture possible, pas vraiment d'intérêt. Là on est en standard, on galère, mais c'est fait pour. En difficile ça doit être chaud. Ouais, déjà en normal c'est chaud. J'ai pas le DRS là ? Ah ouais si quand même. On va ignorer pour le moment. On va essayer de les tenir. On va essayer de tenir les médiums. On rentre dans le top 10. Ça fait plaisir. C'était pas gagné. Ah, c'est pas déconnant les tours de Ocon, hein.
pour le moment. En hard. Peut-être moyen de faire un truc, hein. On est loin pour le moment, mais il y a peut-être moyen de faire un truc. Alors que j'attaque à un moment, hein. Astrid est pas au con. On s'y attendait. La question c'est maintenant, est-ce que Gasly en soft, ça pourrait pas aller au bout? Alors Gasly en soft. Va falloir les tenir vachement les tours. Si en soft, ouais, va falloir les tenir hein, les pneus, mais il y a un monde où, où pourquoi pas. Hein. Bon, ça va être, c'est trop tôt pour les soft. Oui, oui. Si tu boxes tard, c'est jouable. Ouais, c'est ce que je pensais. Hein. Quitte à maintenir les pneus. De toute façon, j'ai envie de te dire. Drapeau jaune, Albon, on branle. J'ai envie de te dire. Quand tu te qualifies P8 et que tu es obligé de boxe dès le premier tour pour un aileron et un châssis touché. Gasly avec la meilleure voiture, il se qualifie P17. J'ai envie de te dire que bon, on est là pour faire des stratégies un petit peu exotiques. Hein. On n'a rien à perdre. Pour le moment, Ocon, il se démerde pas trop mal. On est un peu moins rapide que Magnussen pour le moment. Il nous met quand même une seconde. Hein. Hamilton qui reboxe. Du médium. Médium, il termine, non? Hülkenberg qui boxe. Magnussen va boxer aussi, je pense, le tour prochain.
petite safety car pour faire rentrer Gasly. He's ok, on a le temps. Drapeau jaune. Drapeau jaune, c'est qui? C'est qui? Oh mais on s'en branle. On s'en branle, De Vries. Pause. Pause. Trop tard. Ah. Pourquoi trop tard? Pourquoi trop tard? Pourquoi pause? De Vries va se prendre 5 secondes. Ça aurait pu une box Gasly. Ah ouais? Oh. Par contre, je pourrais lui demander de fumer ses pneus. Pour ensuite boxe. De faire ça d'ailleurs. Hein. Peut-être lui demander de fumer ses pneus. Hein. On va attaquer un peu. J'ai peut-être de la merde. Hein. Ocon qui mine de rien remonte. Hein. Box, ça va être trop tard. Ça va être trop tard pour box là. Non. Box. Et pas d'erreur, hein. Manquerait plus que ça. 2 secondes 7. Ouais, ça pue, hein. Tsunoda va à boxe. Voilà. Ça, c'était sûr.
Allez, chauffe-les, tes pneus, là. Russell Keybox. La 6 mini P6 P7 token dans les points. Voici. Pneus sont froids, oui, oui, je sais. On voit bien qu'il les chauffe ces pneus. Faire bouffer par Magnussen, t'es sérieux? Ça c'est bélo, hein. Je pense qu'on ira, on arrivera à le rebouffer plus tard. Déjà rien qu'avec les pneus à température, on remonte sur lui, donc bon. Pas d'inquiétude à avoir là-dessus. C'est est-ce qu'on arrive à remonter sur Norris et toute la troupe au-dessus quoi. La réponse est visiblement oui. Du moins sur Norris. Alonso qui boxe. Attends, je suis largué avec Ocon là. Peut-être attaquer un peu aussi. Hein. J'avais pas vu Ocon. Ocon qui se fait. Se fait bouffer dans tous les sens là. Ah ouais. Peut-être que là.
Peut-être qu'en effet, les hards n'étaient pas forcément une très bonne idée. J'ai les yeux qui me piquent, sa mère. S'il y avait du pollen. Leclerc qui boxe, c'est étonnant. Bon, et Ocon. Ocon qui remonte sur Tsunoda. Ocon, il fait son petit bout de chemin. Hein. Bon, il l'embêtait, Ocon. P6, P7, ça va être compliqué hein, pour Gasly. Hein. Mais non, pas comme ça, Zinedine. Le bon est loin. Hein. Le bon est loin, mais on le rattrape vite. En combien il tourne? Ah, et puis il a plus de pneus non plus. Même Hülkenberg, je tourne plus vite que lui. Hein. Ouais, donc P7 jouable. Hein. Albon box. Alors, attention essence. Ouais, Ocon, j'ai pas envie de me battre. Hein.
Bon, le Hülkenberg. Et Ocon a passé Tsunoda. Enfin. Ça va être compliqué pour aller chercher plus haut. Hein. On va rentrer dans son DRS. Dommage. Voilà. Drapeau bleu. On gagne le DRS toujours. Et là, le but du jeu, ça va être de ramener les voitures à la maison, hein. On peut peut-être gratter des places avec Ocon, mais bon, on n'atteindra jamais le top 10. Vu où il était, c'est déjà pas mal. Ah ouais, clairement. Clairement. Et Gasly, 30 secondes à faire en deux tours. Impossible. Donc non, on s'en sort pas trop mal. Et pareil, Gasly, il partait de P17, hein, donc... Final lap. On va ramener les voitures à la maison. On atteint le top 10, donc les sponsors vont être contents. Max Verstappen franchit la ligne d'arrivée et remporte la victoire aujourd'hui. Comme d'hab.
P13 pour Ocon. Et la P7 pour Gasly. Voilà, ça c'est fait. On imagine bien qu'Esteban Ocon n'aura pas vraiment envie de parler de la course aujourd'hui. Oh non. La journée a été très frustrante pour lui et il repart sans aucun point. On marque 6 petits points. 6 petits points. Grosse perf pour Pierre Gasly. Il y a une 10 places sur la grille. D'un point de vue point, il y a Aston Mercedes devant. Ouais. C'est bien ce que je pensais. C'est bon, on reste dans la course. On reste dans la course avec Aston. Mercedes qui prend un peu le large, hein, mine de rien. Mais on est toujours à... On est toujours attaché à la cinquième place. Bon, ça, on est toujours sixième au DHL. Bah, c'était pas trop mal. C'était pas trop mal. La moula. Et 4 millions. 4 millions qui rentrent dans la poche. Et on va peut-être s'en refaire un. Hop, Australie. Mais c'est Bakou, je crois, non? On va pas se mentir, non, c'est un peu le camoulox.